Alors, des rumeurs. Ah bah oui alors. Est-ce qu'il garde? Ça parle mal. Oh l'autre, comment qu'elle me mate? Quelle heure est une game? 6h du petit matin, 6h30. Ces chambres. Ah, c'est le tapis. Oh la vache, la lumière, toi. Ah, j'ai rien à te dire, mon grand. Bon, allez, je vais aller de l'andouiller. Je vais aller sauver le fils de l'empereur Uriel Septime qui a été honteusement, lâchement assassiné. Alors, la question est: où est mon cheval? Où est mon fidèle destrier? Hein, la statue? D'ailleurs, je suis en tenue classe, va falloir que je rebascule en tenue de combat, côte de maille. Zop, zop, zizi, bazab, bazab, bon. Ouais, faudrait que je descende du pont là. Ah, je suis bête. Je sais où aller. La 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 la. Je suis un peu moins affirmatif du coup là. Tiens. Sacré demeure. Je me permets de regarder. On est chez qui là? Ah ouais. Oh. Eh bien. Papa, 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 papa. Oh, tu ne peux rien. Tu ne peux rien pour moi, mon ami. Je m'enfuis, c'est la fin de la nuit. Et je vais chevaucher mon fidèle destrier pour de nombreux ennemis que je vais aller patater. Oh. N'importe quoi. Et j'ai pas une pinte de bière dans le pif. Hein. C'est 100% naturel. Alors attends. Et c'est ça qui est bon. Alors. C'est vrai en plus. Ah oui, on avait dit côte de maille. Et là, la nana classe qui arrive à se changer en étant sur le cheval. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ah merde, je croyais que c'était un chemin. Ah si. Attends, c'est un chemin officiel là, il n'est pas pavé, c'est de la boue. Oula, j'ai l'impression que je suis en train de me planter. Ah,
parce qu'en fait, il faut traverser la ville. Attends, je pige plus rien. La caverne de la crotte de sang, de croûte de sang de... Oh! Tiens, ça m'intrigue. Au pied de la cité... Alors attends, c'était pas prévu. Mais là, je dois reconnaître que ça m'intrigue, surtout que c'est... J'ose pas dire accueillant, mais... Ah oui, aussi, il y a quand même des crânes en avertissement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va regarder, on va mettre les... J'allais dire, on va mettre les lunettes. C'est un peu ça. On va mettre la vision nocturne. Je sais pas où on est. Ah, c'est un vampire. Oh merde. Oh, il y a des trucs qui m'intéressent. Il est où ce con? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui lui? L'autre, comment qui m'a bousculé? Mais trop bizarre! Mince! Mais oui! Ah, j'hésite. J'y vais vraiment ou oh, allez, j'y vais. C'était pas prévu, mais l'idée de buter des vampires, ça me plaît. Tiens, d'ailleurs, je vais y aller gros bourrin. Allez, hop, on se fait plaisir. Qui est passé de l'autre côté là. Il n'y avait pas de femme. Papa, pipa. Oh, cuir lacé. Oh, ça c'est cadeau parce que ça n'a pas de masse. Ah, oh, j'ai pas non. Stylé. Ah, cuirasse de maille. C'est quoi que je porte moi? C'est pareil, une cuirasse de maille? Je ne sais même plus. Ah oui, c'est pareil, je porte une cuirasse de maille. Qu'il faut pas entendre. La 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 la. Merde. Ah, mage de guerre vampire.
Voilà, je l'ai pataté. Elle est vraiment hors de table, hein, mon arme. Hop là. Merde, non, tout, ouais, moi. Ah, on va je vais faire du soin. Capture d'âme. Capture d'âme. Où êtes-vous, bande de froussards? Ah merde. Ouais, sorcier vampire pour Ah, pas mal la dague en acier. Oh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, je fouillerai les containers après. Je vais d'abord zigouiller tout le monde. Comment que je te les fais gicler? Oh, il en a des choses. Il a des mocassins chasseurs. Des stylés, le monsieur. Zou bisou, bazou, zou bisou. Non, j'ai buté tout le monde. Oh, il y avait un gros arc la fois précédente, c'est des personnages aléatoires ou Ce qui me fait suer, c'est qu'il me dit que j'ai eu la. La maladie du vampire, je crois qu'il m'a croqué, non, c'est ça? Attends, on va voir. Mais je les aurais tous zigouillés ou pas? Parce que là, j'ai fait le tour de la grotte, non? Je viens de là. Bah oui. Alors, c'est moche, mais je vais recharger sans choper la maladie. Ah merde, bah je l'ai eu la hémophilie. Oh, apparemment je peux pas y échapper. Je peux pas y échapper. Crotte. Non mais dans mon. Oui c'est ça, c'est tous les effectifs, ouais. Hémophilie porphyrique. Atténuation de fatigue. Ah, c'est une maladie temporaire en fait. Donc non, en fait, je suis pas spécialement. Ah, j'ai la personnalité endommagée et l'intelligence. Merde. Oh, mes stats. Waouh. Ouais, bon, bref.
J'allais dire au pire, je vois ton nom là. Il est mort. Bon, ça y est, normalement je les ai eus, je peux tout fouiller. On est d'accord que ça c'est la porte de sortie. Donc la grotte fait un tour sur elle-même. D'ailleurs, je vais peut-être quitter la lumière bleue, et comme je sais que j'ai zigouillé tout le monde, je vais basculer en éclairage classique à la torche. C'est pas comme si j'avais 50 milliards de torches. Voilà! Papa le papi. Pipalapalapou, pipilipilipou. Ah, ça fait flipper cette obscurité. L'obscurité des démons. J'ai dit n'importe quoi. Alors, chapeau de cèpe de pierre. De pierre. Papalapa. Pipilipou. Est-ce que ça vaut le coup? Alors je vais lire, c'est rapide. Allez, Sir Otus, guide de Singrad. Au nom de Julianos, que règne la justice et la sagesse. Je m'appelle Alessia Otus et j'aimerais vous parler de Skingrad. Le comté de Skingrad est réputé pour ses vins, ses tomates et fromages. La ville de Skingrad est l'une des villes les plus propres, les plus sûres et les plus prospères de Cyrodiil. Située au cœur des hautes terres de Weald Occidental, Skingrad est le joyau de la Colovie antique et le modèle des vertus coloviennes d'indépendance, de travail et de détermination. Skingrad compte trois quartiers, les quartiers du château, de la ville haute et de la chapelle. Un chemin creux court d'est en ouest, un contrebas des murs et des ponts de la ville haute. Les guides. Et l'auberge du Weald Occidental se trouve à l'ouest de la ville haute, tandis que les échoppes et les résidences privilégiées se concentrent le long d'une seule et même rue au nord. La moitié sud de la ville recèle une chapelle dans sa partie est et les autres hôtelleries de Skingrad, comme l'hôtel des deux sœurs dans une rue du centre. D'autres résidences, plus modestes et tristes, sont éparpillées dans le reste du quartier. Les portes et les ponts enjambent le chemin creux reliant la ville haute à la chapelle en main étroite. Le château de Skingrad se situe à l'écart de la ville. Il se dresse sur une proéminence au sud-est. Un chemin relie la porte est de la ville du château. Enfin, au château. Janus Asildor, comte de Skingrad, y règne depuis des années. Il est connu pour être un grand magicien. C'est un homme très renfermé qui décline toute entrevue. Il néglige malheureusement la chapelle et les dévotions aux neufs. Comment le peuple peut-il apprendre la vertu si ce n'est qu'en suivant le modèle de son dirigeant? Il n'en est pas moins honoré et respecté par la population. Skingrad est l'exemple même du comté bien dirigé. La criminalité, le jeu et l'alcoolisme y sont pratiquement absents. Ses vins et ses fromages se vendent à prix d'or à Tamriel. Skingrad compte deux hôtelleries. L'une, l'hôtel des deux sœurs, est tenue par deux orques. L'hôtel n'en est pas moins propre et correct et ne connaît ni désordre ni alcoolisme public. L'autre pension est gérée par un impérial fort aimable. Aucune de ses propriétaires ne fréquente la chapelle de Julianos. Je ne saurais vous conseiller le lieu idéal pour le gîte et le couvert. En revanche, je sais où vous devriez acheter vos petits pains au lait chez Salmo, le boulanger du quartier de la chapelle. Ils sont délicieux. Ou goûter les spécialités de Skingrad, le fromage et les tomates. Je laisse cela à votre discrétion. Je suis sûr que le vin de Skingrad ne vous intéresse point, l'alcool étant source de désordre et partant de péché.
La guilde des mages de Skingrad ne vaut pas mieux qu'ailleurs, mais la guilde des guerriers s'est spécialisée dans la chasse aux gobelins, ce qui rend un grand service aux voyageurs de Weald occidental. J'ai été fort surprise de découvrir que le forgeron de la ville se fait appeler Agnet Nez Rouge. Seriez-vous fier d'un tel surnom trahissant un comportement si condamnable? Gardez les neufs dans votre cœur. Si je l'avais pas, faut que je le prenne. Hop là, réquisition, zou, ça c'est fait. Allez, coffre. Oh, la vache, la masse, toi. Jean-Lierre Zwemer. Une caisse abîmée, oui, tu m'étonnes. Ça ne m'intéresse pas. Papapali, papalilalou, donc du coup, faut que j'aille. Non, je viens de là, c'est là où je les ai patatés. Donc, oh, énorme. Un col, une torche, c'est cadeau si on veut, si on fait pour la maison. Ça c'est bon, les potions d'ensorcellement. Chibidibidibidou, chibidibou. Épée courte en argent, elle est pas mal. Putain, elle fait 7 de dégâts, elle pèse 12. Ah, je porte trop de charge, crotte. Crotte, crotte, crotte. Ah oui, c'est trop lourd. Guerrier. Ah putain, j'ai acheté une épée courte en argent alors que je viens d'en voilà, d'en avoir une. Ah, soupir. Bon, bah, je lui laisse celle-là qui est endommagée. Hop, je lui laisse la flèche de fer aussi, je m'en fous un peu. Après, non, je crois que j'ai rien acheté, non? Je garde tout le reste, hein, tout le reste est bon. Ouais, bah, les ingrédients, forcément. Forcément. Oui, j'ai pas des doublons dans les bouquins. Non, apparemment, j'ai pas de doublons. Oh là là. C'est incredible. Incredible. Chabi chabi chabou, la di. Ah, moyen. Ah non, je fais pas tentative auto, là j'ai plus de. Les grincements subtils des crochets et serrures forcées est une véritable musique à vos oreilles. L'amélioration de votre compétence a fait de vous un apprenti en sécurité. Lorsque vous crochetez une serrure, seules trois gorges tombent lorsque vous cassez un crochet. Ah, j'ai pas tout qui retombe. Intéressant. Intéressant. Merde. Ah oui, j'ai pas tout qui retombe. Ah, c'est agréable. Oh! Ma fortune. Oh! Le alambic d'artisan, mais c'est énorme. Waouh! Rubis parfait. La dague en argent. Waouh, je prends tout. Je prends tout, mais je transporte trop de charges. Attends, je vais essayer de faire de la potion. Mais je suis en joie. Ah bah non, puis j'ai les. Mais non, mais je suis bête. J'ai les marteaux. J'ai les marteaux. Attends. Voilà. Ouais, non, c'est bien. Ah, j'ai quand même 5 kilos en trop, ça fait beaucoup. Minute papillon. Ah ouais, l'alambic d'artisan, c'est la violence, quoi. Waouh, énorme. Énorme. Mais d'ailleurs, c'est simple, il faut que j'abandonne mon alambic d'apprenti. Parce que là, ça pèse lourd, ouais, mais
Eh oui. Artisan. Oh la vache, le niveau, toi. Énorme. Là, du coup, je peux me redéplacer. Zip, zap, 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 vas-y, vas-y, bouzouk. Ah, j'ai failli louper ça, moi. Oh non! Ah, l'autre, il dit que je suis en surcharge. J'ai plus rien pour la magie. Regain de magie, prout-prout, là, avec les graines de lin. Ah! Regain de magie, regain de magie. Oh. Non, mais vous êtes sérieux, les gens? Oh. Non, ça m'intéresse pas. Oh, pas mal. Ça fait marrer de voir ça. Ça, c'est dingue l'effet, je veux dire l'effet papillon, n'importe quoi. L'effet, enfin bref. Oula. Attends, silence ou invisibilité? Il y a de quoi faire, non? Silence, invisibilité. Ben voilà. Ça, déjà, c'est énorme. Est-ce que je peux pas faire du silence? Attends, en gros, ce, j'en ai plein. Attends, vision nocturne, je peux pas le faire. Ça va pas, mais... Ah ouais, quand même. Fortification chance. Ça doit valoir des thunes. Non, c'est idiot. Ouais. Ouais, bof. Ouais, je me suis suffisamment allégé, là c'est bien. D'ailleurs, je vais sauvegarder parce que... Ouais, jambière de maille, mais celle toute tout neuf, quoi. Bon, bah c'était sympa comme patatage en règle. Tadilala, je peux me barrer de là. On est d'accord, j'ai fait le tour de la grotte, hein. Je vais regarder la carte quand même par acquis de conscience, mais... Oui, j'ai défoncé les vampires. Allez hop. Voilà. Ça fait des vampires de moins. Hop là. Tati-da-di-ti-ga-di-ga-da. Hop là, boum. Alors, j'avais dit, il fallait que je contourne là. Les fortifications. Quoi? Je peux pas aller par là. Pardon? Ok, bon. Je crois que c'était un monde ouvert. Non, je reconnais que c'est un peu abrupt et c'est surréaliste de faire passer le cheval par là. Mais comment je fais pour contourner la ville, moi? Je fais n'importe quoi là, je fais du hors-piste. Ah!
Mais je passerai jamais, il y a des rochers, non? Ah non, je peux passer. D'accord, on peut faire le tour. Ouais, ça va, correct. C'est pas comme si j'avais un héritier du trône à... Oh, c'est beau, cette vue. Ah, j'étais déjà venu une fois à pied pour voir par-dessus la ville. Oh là là, c'est d'une beauté. Par contre, c'est casse... Ouh là là là, doucement le cheval. C'est pas la route officielle et je sais pas trop comment négocier. Waouh, j'espère que t'as la super glu sous les sabots, le cheval. C'est la violence. Oh mon Dieu. Waouh, ça a de la tronche, les vieilles pierres, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, zou au galop, c'est la prairie. Je vais bien revenir sur la route, non? Oh, je suis sûr que je rate des trucs en cueillette. Attends, excuse-moi le cheval, mais je suis en train de louper des trucs en cueillette. C'est inadmissible. Pour l'alchimiste que je suis obligé de faire des cueillettes. C'est bizarre ce truc encaissé en C, ça pourrait contenir un truc. Mais il n'y a rien. Mais ça aurait pu. Oh, j'ai cru voir quelque chose. Non, voilà, je vois des choses, mais c'est mon imagination qui est trop fertile. Faut que j'arrête. La la la, li la li la li la li la li la lou. Ah, elle est bonne celle-là. Ah, je passe au travers du. Oula, faut pas que je l'écrase lui. Bon, blague à part, dis-moi que je suis sur la bonne route. Monsieur merveilleux tout ça. Allez, direction de Jvat. Seul sur les sables. Non, faut que j'arrête de chanter. C'est quoi ça? Grotte de Firlueur. Non mais là je suis obligé de dévaliser les végétaux là parce que au niveau recette ingrédients pour c'est qui lui? Ah oui, m'en veut. Ah, c'est un bandit. Adieu bandit! Oh, elle est d'où est la bandit? Elle m'a paré. Eh ben j'ai eu chaud! La vilaine, c'est qu'elle a failli m'avoir! Tiens, j'ai gagné 2 crochets. D'ailleurs, je vais en profiter pour mon cheval qui déclare son indépendance. Oui, il a raison. Ah! Ah, il vient me voir. Oui, piétine le vilain. Oui, c'est vrai, c'est sa tradition. Piétiner la victime qui nous a honteusement agressés. Tu as raison, cheval. Par contre, ne t'éloigne pas trop. Ce serait gentil de ne pas prendre totalement ton indépendance. J'ai encore besoin de toi. Encore qu'un jour, peut-être que mon cheval prendra sa retraite. Je ferai l'acquisition d'un autre cheval, c'est pas pour maintenant. Mais si j'ai la chance d'avoir une demeure avec... Ah mais j'en ai une de demeure, je suis bête. J'ai le fameux château que j'ai pu réquisitionner là. Dans cette histoire rocambolesque de... J'ai pas tout compris d'ailleurs. J'étais en train de me dire j'ai toujours pas de chez moi, mais non. J'ai un chez moi que j'ai acquis par la force, on va dire. Mais j'ai pas encore de chez moi conventionnel, une belle maison dans une ville. Que je me serais offert avec mes deniers. Et merde, je porte trop de charges. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne me déplace plus. Alors attends.
Je ne sais plus, je suis perturbé, je suis troublé. Oh là là, vends-moi du rêve. Dis-moi que j'ai récolté des trucs qui permettent de faire de la prout-prout de magie. J'ai rien en regain de magie. Dans ce que j'ai cueilli là. C'est injuste. C'est totalement injuste. Oh, je suis tristesse. C'est nul. Fardeau. Ça peut être rigolo, ça. Ouais, je vais faire la chair de sanglier, ouais, parce que ça pèse lourd. Et la graisse de troll aussi, mais je peux en faire quoi de la graisse de troll? Dégâts de volonté, d'agilité, réduction de santé. Ah, fortification de personnalité. Ah, ça peut être sympa ça. Fortification de personnalité. Où est-ce que j'ai ça moi? Ah, j'ai rapidité, volonté, endurance, volonté. Ah merde. Ah dommage. Vraiment dommage. Ah là 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 là. Donc, où en étais-je, mon cheval? Où est ma monture? Ah. Et où allais-je? Je ne sais même plus moi-même. Je crois que je suis parti dans la direction opposée là. Bah alors, mon cheval, ça va pas, non? Va m'induire en erreur. C'est un papillon que j'ai vu? C'est un papillon. Ah ah! J'aime bien le bandit au bord de la route. Donc du coup, je n'ai plus de magie. Oh non, c'est pas vrai. Ah merde, j'ai plus de... Ah merde, mais j'ai plus de charge dans mon prout-prout. Et ben voilà. Quick. Quick, 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 le vilain. Ah, décroché, j'ai gagné. Ah si, je peux faire encore un coup là. La magie. La magie, magie. Papali, pop, pom, pom. Shabadi, badidadam. Papali, dadou, dadidi, dadidi, dadidi. J'ai un doute, je ne sais plus dans la... Attends, c'est quoi que j'ai vu passer là? J'ai vu un truc courir comme un lapin. J'ai rêvé? Ou alors c'était le papillon? J'ai cru un truc passer comme un lapin. Mais bon. Bref. Oui, je me demandais si dans la carte que j'ai, j'ai pas l'occasion de... Là, tu vas voir que le beau ciel bleu va se transformer en ciel rougeâtre. Oh, enfin cochère. Qu'à de le dire. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ah non, t'attaques pas mon cheval. Alpha cochère, tu te calmes. Ah oui, merde. Ah merde, j'ai plus assez de magie. Ça vaudrait le coup de prendre son âme.
Minute, je la sens bien. Faut pas que je me loupe. Faut pas que je me loupe, mais je la sens bien. Concentration. J'ai ramassé plein de trucs de ensorcellement. Voilà. Ah oui. Je l'ai super bien géré. Je suis en joie. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore piétiner ta victime? Ah oui, mais si je prends ça, je vais te surcharger. Ah, regain de santé, c'est quand même bon, non? Alors là, il y a une dague de en argent. Oh là là, là, je peux pas tout prendre, je peux pas tout prendre. Ah, je ne peux pas tout prendre. Crochet, pouc, ça je peux. Ah là 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 là. Alors attends, mini papillon. Oui, donc attends, j'ai combien de charges dans mon arbre? Zéro. Ah bah c'est, j'ai déjà déchargé le. Ordinaire, c'est 800. Bah oui, j'avais dit que celle-là, je la gardais. 150, oui, bah ça pourrait aller dans le. Inférieur, 300 pile poil, bah hop, l'épée longue. Inférieur, ouais, c'est du 300, c'est très bien. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Ah, j'ai une inférieure dedans. Ah merde! J'ai gâché une grande gemme spirituelle. Ah, c'est con ça. Oh, celle-là, elle est à 1200. Jolie. La grande gemme spirituelle, faut que je la garde. Donc, ça, je peux faire. J'ai des petites, petites, je garde. Donc la 800, je peux la jouer puisque j'en ai une de 1000 et des. Ok. Oh, j'aimerais bien faire avoir une dague capture d'âme, j'adorerais. J'adorerais. Bon, bref, mon cheval. Mon fidèle destrier, c'est parti, mon kiki. On va faire l'ascension jusqu'à Xval. Ah non, il y a un ours, oh là là. Ah non, j'en ai marre. L'ours, il me course, si ça le chante, je m'en bats les steaks. Quoi? Ah non, j'ai eu peur. Oh, tiens, ça va être drôle. Est-ce qu'il va réagir face à l'ours ou pas? Il est censé faire la protection. Hein. Non, il est pépère. Ou alors l'ours n'a pas poursuivi sa course. Ou alors à la fin du virage, il va réagir. Là, ça me fait marrer de tester là. Non, il va disparaître dans les ténèbres là. Il est en train de se. Voilà, il est paru. Bon, bref. Et ça m'aurait fait marrer de le voir s'épatater avec l'ours. La côte d'or. Oh, je suis. Oh, je sais pas, je peux. Attends. Faut pas que je loupe l'intersection. Déjà que là, ça grimpe à mort. Voilà l'ascension, toi. Voilà, là, voilà l'intersection. Demi-tour. J'ai l'impression de faire un jeu de rallye, là. Oh là là, il faut que j'aille au sommet des arbres calcinés. Salut tout le monde, je suis là pour venir vous aider. Bonjour la compagnie. Pousse-toi ici, s'il te plaît, parce que c'est un coup à te faire renverser, comme j'arrive comme en fou furieux, en galop, là. Ta ta ta, la chevalière héroïque Gwendoline va venir vous sauver. Ta ta ta,
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un loup. Putain, je me disais, mais pourquoi ils réagissent eux? Voilà, il se passe encore des trucs. Oh là là! Oh là 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 là! C'est la guerre! C'est la guerre, c'est la guerre. Il n'y a pas de galopin. Réduction sur la fusion des dégâts, essence à la foudre. Oui, bah ça fait du. Allez hop. Merde, il va venir, je peux plus bouger. Je le savais. La peau de galopin, je vais la tester tout de suite. La peau de galopin. Réduction de magie. Réflexion de dégâts. Oh là là. Chair de sanglier, donc ça fait rien. Avec graines de lin. Réduction de santé, c'est pas cool. Solana, c'est rien du tout. Oh, mais c'est nul la peau de. Réduction de magie, 8 points pour 34 secondes. Oui, c'est un peu débile. Un petit peu débile. Il n'y a pas résistance à la foudre? Parce que résistance à la foudre, ça peut être sympa. Hein. Ah bah voilà! Résistance à la foudre, non. Et bah je vais en créer, voilà. Oh, résistance à la foudre là aussi. Mais c'est parfait ça. Ça fait quoi avec l'invention réduction de fatigue? Non, c'est con. Et ça fait pareil. Ouais, c'est très con. Là, ça fait plus rien, oui. Bon, il y a un bug. Il y a un bug. Qu'est-ce que je peux faire d'autre encore? La chair de sanglier. Chair de sanglier avec une poire. Dégâts de rapidité. Oh, fardeau, 25 points. Oh là, pendant 100 secondes. Pomme de terre, pareil. Ouais, pareil, Ginzen. Réduction. Non, regain de santé, 6 points pour 25 secondes sur soi. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Dégâts intelligence. Regain de santé. Ah, pas mal. Hop. Ok. Bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, je vais pas dans le portail, mais au travers. Alors, je vais essayer d'aider l'héritier du trône. Et normalement, il y a des galopins. Ils sont où, les salopions? Oh, même pas. Punaise. Ah, puis j'ai pu. Non mais là il me faut faire la magie la magie du démon. Il faut que je fasse un prout-prout, une capture d'âme. Génial. J'ai capturé une âme, alors ça c'est énorme. Merde! Je me fais allumer par je sais pas qui. Ah bah il y en a un deuxième. C'est parti! Ah merde, il y a un galopin. Alors là c'est tellement chaud que je veux bien exceptionnellement boire une potion. Alors toi je m'en fous un peu. Sans me vexer. Oh, magnifique. Magnifique. Ah, je l'ai bien joué celle-là.
Ah, que je l'ai bien joué. Putain, mais je vois rien. Il y a un truc là? Ah oui, il y a un truc. Waouh, il y a des choses. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, quelle horreur! C'est une tête décapitée. Burke. Ok, tout ça pour ça. Dans le tonneau, il n'y a rien de. Ah! Ah oui, non, là, il n'y a plus rien, là, c'est. Attends, on voit tellement mal que je vais prendre une torche à défaut de prendre mon truc. Voilà. Oh, une clé mort. Ça déconne zéro. Même avec la torche, je dois bien avouer qu'on n'y voit pas. Qu'on n'y voit pas forcément top top. Hein. C'est pas top d'ailleurs, mais gavou. Hein. Là, à mon avis, il n'y aura rien d'intéressant. Ah! Sympa. Marteau d'apprenti, pichet marron. Una pinchoni. Ouais, non, mais là, il n'y a rien, là. Là, c'est la mort, là. C'est foutu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Oh! Je peux y aller? J'ai un doute. Je me demande si ça va pas être buggé. Oui, j'ai pas pu. Oui, il y a un mur invisible. Ouais, c'est du décor, j'ai pas le droit d'y aller. Ça me rassure un peu quelque part. Ah! Bonjour à vous. Il faut que je voie frère Geoffrey. Tiens, je sais plus si j'ai droit aux bénédictions ici ou pas. Faites après village à Pierre, donc j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je sais plus si c'est. Merde, je le reconnaîtrai même plus. Vous travaillez pour la gloire de Zénithar. Oui, je ne peux. Attends. Ouais, bon, bref. Ouais. Frère Martin. Oui, bah oui. Adieu, adieu. Je vais voir le frère Martin juste après. Mais celui que la loi a commencé par Théo et. Je sais pas si c'était lui. Katoche, Dibella. Bah, je crois qu'il était là. Ah, c'est pas Frère Martin, ça, c'est Oleta. Bonjour Oleta. Ah, oh, moi je veux voir Martin. J'ai compris. À bientôt, Oleta. Hôtel des standards. Je crois qu'il n'y a que lui qui m'accepte, c'est Julianos. Votre poids est juste sur la balance de Julianos. Ah, merci. Bah, je fais le ménage, je suis ici pour vous sauver. Pardon. Oui, je comprends. Ils ont tous la même réplique. Le prophète, peut-être. À bientôt. Bon, j'ai pas vu le père Martin. Il m'a échappé ou.
Oui, c'est neuf de ta part. T'es en train de me dire que j'ai pas fait le boulot et qu'il y a encore de la mélasse. Bon, bah suite au prochain épisode. Ah là 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 là, je vous jure.